بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا. Sans que je parle, tu as compris. صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tu le connais, محمد صلى الله عليه وسلم؟ Tu ne le connais pas encore. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Jazakallahu khair. Wallah, amour, sincérité totale. Mais wallah, il a dit, wow, sincérité totale, vraiment. Par amour en toi. Mon frère, ma soeur en islam, par demande Allah subhanahu wa ta'ala te guider, mon frère, ma soeur en humanité, intéresse-toi à l'islam, intéresse-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, pose-toi les questions nécessaire, que tu te poses de toute façon depuis un moment, et intéresse-toi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle humain, vivant, sur terre, qui a vécu sur terre. Allahumma salli wa sallim ala habibi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ce dua, c'est un dua de Moïse dans surat Taha. Rabbi shrah li sadri, ô Allah, apaise mon cœur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, facilite-moi cette chose, cette affaire, facilite-moi la chose, facilite-moi mon chemin, cette chose-là que je vais faire. Débloque, ouvre un nœud dans ma langue pour que vous compreniez ce que je dis. C'est-à-dire, donne-moi la facilité de parler pour que je puisse vous passer le message. Pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Ça, c'est un dua de Moussa. Nabiullahi Moussa sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathira. وصلى الله على حبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب donc la dira bishrah li sadri salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Quand on s'engage, quand on vous dit salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh, que tu es d'accord ou pas, que tu aimes ou pas, que tu trouves que la personne qui essaye de dire, que tu l'appelles pseudo imam ou pas, qu'elle est ignorante ou pas, qu'elle n'a rien à dire ou pas, quelle, que tu la hais ou pas, la moindre des choses, c'est de savoir qu'elle ne te veut aucun mal et qu'elle te dit salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cette personne. À bon entendeur, salam alaykoum. C'est ça, hein? Donc faites attention, Allah yajazakoum bikhair. Minimum de respect entre nous, Allah yajazakoum bikhair, surtout quand on ne vous fait rien, quand on vous laisse tranquille. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous bénisse. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide, sachez que je vous respecte beaucoup, que je ne vis pas pour vous tuer, que je ne me réveille pas le matin quand j'arrive à m'endormir, parce que apparemment je ne rêve que de vous tuer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le musulman, c'est pas ça le musulman, c'est pas ça l'islam. Si vous avez entendu parler de ça, c'est malheureusement de l'ignorance, de l'éloignement de l'islam, d'accord ? Écoutez ce message qui m'a fait vraiment plaisir. Donc si toutes ces interventions que j'ai faites ont servi qu'à ce message, je suis alhamdoulilah heureux. Donc pour vous expliquer l'histoire, c'est un monsieur qui est venu cracher du venin fort, lourd, des attaques frontales sur YouTube, sur la plateforme YouTube. Et donc quand j'ai vu son message ou ses messages un peu lourds, un peu frontal, je suis parti cliquer sur son compte YouTube. Donc déjà j'ai vu son pseudo qui est lourd, qui est vraiment anti-islam totalement, donc il y a un gros mot musulman ou musulman, donc vraiment un gros mot. Donc quand j'ai vu son YouTube, j'ai hésité en me disant subhanallah, je n'ai pas l'habitude de supprimer des gens, je n'ai pas l'habitude de les bloquer, quoi qu'ils fassent comme attaque, sauf vraiment quand la personne est orgueilleuse à mort, vraiment, qu'elle est habitée par shaitan, par beaucoup de shaitan. Et ça m'est arrivé vraiment extrêmement rarement de supprimer un commentaire ou supprimer un lien ou supprimer quelqu'un. Donc je me suis dit, soit je le bloque, soit je l'invite en ami. Et c'est vrai que j'ai hésité sur celui-là, beaucoup. C'est vraiment un des rares cas où ça m'est arrivé, parce que son attaque était vraiment lourde. Venez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a des attaques phénoménales, mais c'est pas grave. Mais celui-là était vraiment plus lourd. Et finalement, subhanallah, je l'ai accepté.
C'est pas que c'est moi, je l'ai invité mon ami. Alors que lui, il est venu attaquer. Juste moi, j'ai rien fait autre que l'inviter comme ami. Alors qu'il a attaqué l'islam et les musulmans. Et donc là, je reçois ce message où il a mis comme objet respect. Et il a dit bonjour, je vais regarder vos vidéos. Je lui ai pas demandé de regarder mes vidéos. Juste, je l'ai invité mon ami. Vous avez l'air de quelqu'un d'intelligent. Cela me change de mes habitudes ici. Je suis confronté à des musulmans qui vendent de la drogue, le shit, et ils s'en vantent. Ils violent mes cousines au nom de l'islam. Alors je vais écouter ce que vous avez à dire avant mon prochain message. Salutations. Donc, vraiment, essayez de comprendre. Ne voyez pas le mal dans ce qu'on essaie de dire. Ce n'est pas parce qu'il a dit intelligent. Ça me rappelle un prof de génétique que j'ai eu. Qui disait, c'est quoi un gène normal? Donc c'est quoi l'intelligence? C'est quoi la normalité? Qu'Allah guide ce prof, d'origine juive en plus, qui disait ça, je respectais beaucoup ce qu'il disait, parce qu'il philosophait beaucoup sur la génétique, parce que c'est une grande science, subhanallah, qui nous fait réfléchir, et nous fait méditer sur la création. Donc lui, il nous disait à chaque fois, ça veut dire quoi un gène normal? Ça veut dire quoi la normalité? Donc ça veut dire quoi l'intelligence? Donc c'est pas parce qu'il m'a dit intelligence, c'est quoi l'intelligence? Toute intelligence qui ne te ramène pas vers Allah subhanahu wa ta'ala ne sert à rien, t'approche en enfer, al-iyadu billah. Donc c'est pas pour ça. C'est que regarde, ce message résume la bassesse de ceux qui se disent musulmans aujourd'hui. Et moi je le dis haut et fort, et quelques-uns vont se sentir visés. Et ils vont venir massacrer, mais parce que tu te sens visé que tu dis ça. Regarde comment il t'a résumé la situation. Oui, on ne va pas se mentir. Et il y a des gens, et oui, il les a appelés musulmans, le pauvre. Appelons-le des humains, mon frère en humanité. Appelez-les des humains. Parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Je te le dis franchement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais vraiment rien. Mais malheureusement, les non-musulmans ne savent pas que ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce qu'ils baignent dans ce que les médias et ce que le monde aujourd'hui, qui gère le monde, dit. Donc ces comportements, vendre de la drogue, c'est pas chez les musulmans. Haram, haram, haram. Vendre de l'alcool, haram, haram, haram. C'est interdit, illicite, monsieur. Je ne fais pas de fatwa. Il ne faut pas avoir un doctorat en islamologie pour dire que l'alcool est haram. Ça, cette phrase, vous l'avez déjà entendue ou pas? Ceux qui passent leur temps à cracher sur tout le monde, et les musulmans, tout le monde, et tous ceux qui essayent de bouger un peu pour faire juste le wa'd, da'wa. Si tu le dis, c'est que tu ne mets pas à la place d'un savant. Donc la drogue et tout ça, mon frère, haram, interdit. Ils violent tes soeurs. Il y a des gens aujourd'hui ignorants, mais totalement ignorants, égarés en plus, qui disent que les koufars, les femmes kafirat, qui les femmes non musulmanes, c'est-à-dire mécréantes, qui ne croient pas en Dieu, on peut faire ce qu'on veut avec. Non! Ah non, haram, ça s'appelle la fornication, monsieur. Donc moi, mon frère en humanité, je m'excuse en mon nom d'abord, et en nom de ceux que tu as pris comme des musulmans. Et ce que tu as pris comme maghrébin, parce que je suis parti voir son site YouTube, il disait qu'il est anti-maghrébin, anti-musulman, anti-tout. Et il ne faut pas généraliser, mes frères et sœurs en humanité. S'il vous plaît, ne généralisez pas. C'est comme si je vous dis, tous les Allemands sont méchants. Tous les Allemands qui ont colonisé la France à une époque, tous ils sont malheureux. Et ils sont responsables de la colonisation qu'ils ont fait à l'époque de Hitler. Non! C'est comme si tu dis, tous les maghrébins sont mauvais. C'est malheureux, c'est dans tout le monde, toute la planète. Les musulmans entre eux-mêmes sont comme ça. Si deux, trois fois, il a eu un problème avec un Algérien ou un Marocain, il va dire tous les Marocains sont mauvais. Non, nous ne généralisons pas, mes frères et sœurs en humanité. Et essayez vous-même, il ne faut pas se fier aux apparences des musulmans, et il faut aller chercher l'islam. Intéresse-toi à l'islam. Oublie un peu les musulmans. Parce qu'ils sont d'une ignorance totale, et d'un égarement total, et d'un éloignement de l'islam total. Qu'Allah les guide. Parfois, tu trouves des mécréants, des non-musulmans qui ont beaucoup plus de bons comportements que ces soi-disant musulmans d'aujourd'hui, qui sont eux-mêmes loin, loin, loin de l'islam. Les non-musulmans, je vous dis s'il vous plaît. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.